Petit café. Petit clap. Ben voilà, on a une intro. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. C'est Bags et c'est le checkpoint numéro 2. Putain, il s'en est passé du temps depuis le checkpoint numéro 1. Il s'en est passé des trucs aussi, sur YouTube, dans la vie, tout ça, il s'en passe des trucs. Putain, attends, je vais démêler mon casque. Voilà. Bah notamment, premier truc, j'ai déménagé. Fini le corner. Bon, j'ai gardé quelques souvenirs, tu vois. Comme ça, là. Ça, comment on fait pour montrer là? Ouais, ça. Mais je ne suis plus au corner. Nouvelle piole, le Tipeee Zion, mesdames et messieurs. Donc bienvenue dans le Tipeee. On est installé, c'est cool. Le son est opérationnel, le fond vert aussi. En route pour de nouvelles aventures. Mais bon, pour l'instant, on va surtout parler de cette chaîne YouTube là et une vidéo par jour. Il me saoule ce fil. Voilà, on est mieux là. On va donc parler d'une vidéo par jour. C'est dur. Voilà, c'est dur. Franchement, je pensais pas que ce serait aussi dur en fait. Je pensais, ouais, c'est facile, une fois par jour, tu te filmes un peu, tu dis des conneries, c'est cool. Non, c'est dur. C'est du travail, c'est beaucoup de travail. Mais on le fait. Je vais pas vous mentir, il y a un moment, j'ai failli lâcher l'affaire. Heureusement, j'ai une chérie qui m'a dit non, tu fais pas ça. Et du coup, je lâche pas l'affaire. Parce que j'aime pas me lancer des défis que je tiens pas, tu vois, ça se fait pas. Donc, on continue. De toute façon, on continue jusqu'au bout. Voilà. C'est comme ça. Et en plus, je viens de regarder ma vidéo checkpoint numéro 1. Il s'est quand même passé des trucs. J'ai fait des trucs de ouf. J'ai fait notamment trucs de ouf. Ah voilà, la transition pas voulue. Wow, magnifique. Le format truc de ouf, par exemple, que j'ai commencé juste après le checkpoint numéro 1. J'en ai fait. Tiens, je vais checker un peu. Je vais regarder combien j'ai fait de chaque truc. Hop. Ah bah c'est simple. Les trucs de ouf, j'en ai fait 24. Donc il y a une petite playlist truc de ouf. Si tu veux aller voir ça, truc de ouf, c'est un format où juste je te donne une info. Qui pour moi est un truc de ouf. Voilà, ça dure une, 2 minutes, ça dépend. Et je te raconte un truc qui pour moi c'est un truc de ouf. Et c'est vrai, c'est réel, tu vois. Ça, c'est un format que j'ai fait, j'en ai fait 24. Il y a quoi? J'ai noté des trucs. Le format Equilibrium. Equilibrium, petite idée de format comme ça où je fais deux extrémités quelconques qui peuvent créer un axe. Un défaut, une qualité de chaque extrémité pour essayer de réfléchir à où est-ce qu'on se place sur cet axe. Bon, c'est un peu chelou dit comme ça, mais il faut aller voir. J'en ai fait 7. Quand même, mais c'est du boulot de ouf tout ça, hein. Parce qu'il faut préparer les vidéos, faut faire les aperçus, faut l'upload. Alors en parlant d'upload, au Tipeee, bien meilleure connexion qu'au corner, ça c'est cool parce que ça me permet de pouvoir faire des vidéos plus longues et de les uploader sans me prendre la tête, ce qui n'était pas le cas du tout avant, ça me prenait des heures pour uploader des vidéos. Donc ça c'est un bon point qui se simplifie. Eh ben oui, c'est la pause pub, eh ben je suis désolé, mais en même temps c'est comme ça, les statistiques le prouvent, si tu fais pas de la pub... T'as moins d'abonnés, si tu fais de la pub, t'as plus d'abonnés. Donc je te le dis, tu t'abonnes, et toi après tu le fais, tu t'abonnes. Ça fait bien plaisir. Merci quand même. Allez, je te laisse avec la suite. Peace. Les hypnovlogs. Assez cool cette série, je trouve. Un peu comme les simples vlogs, disons que juste je parle à la caméra, un peu improvisé sans trop réfléchir, mais sur des thèmes liés à l'hypnose. On m'a dit que c'était intéressant. Moi, je trouve en tout cas que c'est un sujet intéressant. J'en ai fait 16, je crois. Allez, checker ça, hypnovlog. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en description, comme dans le checkpoint numéro 1. Comme ça sera plus simple pour vous d'aller retrouver tout ça. Les kickers. Parlons des kickers, qui étaient plus simples pour moi parce que bah, j'avais pas à tourner, j'avais pas à monter, j'avais moins de travail, on va dire. Il y avait quand même, fallait créer l'aperçu, faut quand même passer par le logiciel de montage, même si c'est pas du montage en tant que tel. Donc bref, ça prend du temps quand même, mais ça me simplifie un peu la vie. Les kickers, j'en ai plus. Donc ça, c'est terminé, je les ai tous postés. Il y en a des mieux que d'autres. D'ailleurs, je vous ferai peut-être une playlist avec les kickers que je trouve plus dignes d'intérêt. Soit des morceaux un peu plus construits, soit des expériences un peu plus cheloues au niveau de l'impro. Je vous ferai peut-être une petite playlist comme ça. Je sais pas, je suis pas sûr. Parce que ça prend du temps tout ça. Et que le temps, c'est plus précieux que de l'argent. J'ai fait une vidéo 5 conseils pour démarrer la méditation. Si ça vous intéresse, je vous la mets en description. J'ai fait des vidéos livres lus. J'ai fini Le joueur d'échecs de Stefan Zweig. C'était en 17 vidéos, je crois. Et j'en ai fait un autre complet en 8 vidéos. Un récit que moi j'avais écrit quand j'étais jeune, quand j'avais 16 piges. Je vous ai lu ça en livre lu. Voilà, donc c'est disponible. Ça s'appelle Futur Proche. La série des one-shots. J'en ai fait 6, je crois, pour l'instant. C'est du rap
en one shot, comme son nom l'indique. Donc c'est une vidéo, une prise, où je fais un texte de rap, voilà, sur une instru, avec le son qui est un petit peu mixé, conditions un peu saines, on va dire. Voilà, il y en a 6 dispo. Après, il y a des morceaux aussi que j'ai postés, clippés plus ou moins. Il y en a sur lesquels c'est juste des visuels un peu trafiqués. Bon, c'est jamais juste trafiqué, en fait. Je suis trop perfectionniste pour faire un truc tout bête avec... une image GIF qui bouge vite fait et poster ça je sais pas trop faire. Du coup c'est toujours quand même un petit peu travaillé, j'ai quelques trucs comme ça. Voilà où on en est, mais ça fait quand même énormément de contenu que je fais. On en est à la vidéo 250. Hey, j'ai fait 250 vidéos en 252 jours et je vais en faire 365, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, n'hésitez pas à partager la chaîne si vous kiffez, à partager une vidéo si vous la trouvez bien, à commenter, à me rejoindre sur mes autres réseaux, Instagram où je poste des trucs par exemple qui n'ont strictement rien à voir. Je fais de la peinture aussi, je me suis mis à faire de la peinture et ça c'est nouveau, hein. Je pense que c'était pas le cas quand j'ai fait mon premier checkpoint. Je fais des toiles, je vais vous montrer, voilà, je fais des toiles et je vais vous montrer. Ça c'est la dernière que j'ai terminée. Don Quichotte elle s'appelle. Celle-là s'appelle Vaisseau. Celle-là elle est pas finie. Celle-là non plus. Bref, voilà, je fais de la peinture aussi. Faudrait que j'arrive à faire une vidéo où je peins et tout, mais c'est compliqué, l'éclairage, faut que ça soit beau, sinon ça sert à rien. Donc bref, je fais de la peinture et les toiles finies, je les poste sur mon Insta. Donc rejoignez-moi sur Insta ou, je sais pas, partagez mon Insta si vous y êtes déjà. Rejoignez-moi sur Facebook, je partage de temps en temps mes vidéos de ma série une vidéo par jour là. Quand c'est des vidéos que je trouve plus dignes d'intérêt que d'habitude. Donc si vous voulez pas tout regarder, suivez-moi sur Facebook et vous aurez que la qualité de la qualité, tu vois. Bref, voilà, on lâche rien, hein. Je vous mets quoi, un extrait ou deux des clips que j'ai fait dernièrement par exemple. On reste que t'as des chiffres, les idées sont pas toutes clean. Si tu t'en rends compte, entraîne-toi, muscle ton mental et gifle les. J'écris des poèmes pour dire l'indescriptible. L'émotion fait la rime et les rimes font les structures. J'ai appris à mon cœur à faire des striptease et petit à petit, je suis devenu quasi indestructible. On change, on apprend, on grandit, on meurt. Ah ouais, j'ai fait des scènes aussi cet été. J'ai fait deux scènes, c'était cool. Avec le poteau Amédée, le frérot. Je vous mets un petit extrait tout de suite. Si vous sentez comme ça, c'est bon. Puissant car je ne fais pas pour écraser les autres. Amédée comme un asgois d'or car gaz dojo. Y'a des déchets CD pour le flow à haute dose. Les plus célébrés, les mêmes membres de la basse. On le fait pas par faim, mais par amour. On a grandi entouré de fleurs, on est au parfum. Et ouais mon pote, j'essaierai de faire un petit montage, j'ai récupéré plein de vidéos et tout qu'on a fait des scènes. Bientôt une interview qui sort sur le média La Débrouille de mon frérot Amédée qui était avec moi sur scène, qui monte son média et qui m'a interviewé il y a quelques temps de ça quand j'étais encore au corner. Donc l'interview devrait sortir dans pas si longtemps que ça. Pas sur ma chaîne, mais sur ma chaîne je posterai une ou des vidéos en lien avec l'interview. Et puis voilà, que dire de plus à part que je vais rien lâcher et qu'on se retrouve demain pour une autre vidéo. Et que abonne-toi, et que je mets des liens dans la description, et que donne-moi de la force. J'ai revu dans les commentaires du checkpoint numéro 1 des idées de sujets que vous m'aviez mis, donc je vais essayer d'utiliser ça pour faire des vidéos. Mangeur de nouilles, toi-même tu sais que c'est pas ça ton nom, mais comme je respecte l'anonymat sur internet, ton sujet il est pas facile, mais je vais y réfléchir quand même. Et puis voilà, si vous avez d'autres idées de sujets, de formats, de trucs comme ça, lâchez-vous en commentaire, dites-moi les formats qui vous plaisent le plus. Je sais qu'Equilibrium ça avait bien plu, faudrait que j'en refasse. Il y a un format dont j'ai pas du tout parlé et qui pourtant est très important, et je l'avais noté pourtant, hein. Ouais, là je l'avais noté. Les carnets d'aimer, qui est un format un peu particulier et qui a bien plu alors que je m'y attendais pas du tout. C'est un format où je réagis à la lecture de carnets que mon grand-père tenait, mon grand-père que j'ai pas connu, qui tenait des carnets, et c'est fascinant parce que bah... on dirait que c'est moi qui ai écrit les carnets, quoi. En tout cas, ça vous a bien plu, il y a 6 vidéos. Donc allez checker ça, je vous mets la playlist en commentaire. Et vu que le côté réaction, lecture, etc. a l'air de vous plaire, en tout cas, j'ai des très bons retours là-dessus. Je réfléchis à d'autres formats pour faire ça avec soit des bouquins que j'ai déjà lus. Ouais, ça risque d'être des bouquins que j'ai déjà lus. Mais soit les relire et réagir, soit les survoler. Il y en a où j'ai des post-it, des notes et tout ça.
et réagir voilà à des bouquins pour vous donner pourquoi pas envie de lire et parce que ça a l'air de vous plaire la manière dont je réagis à ça. Sur ce, vraiment, je vous dis peace, à la prochaine, bah à demain hein, pour une autre vidéo. Gardez la pêche, souriez. C'était Bugs. Peace.